Le jour où les délais vont passer, on va pénétrer jusqu'à leur base. C'est vrai, il y aura des morts, mais l'essentiel pour nous, afin qu'ils partent, la patrie dépasse nos vies. Donc on est prêt à vendre nos vies pour cette patrie. Les Nigériens nous ont toujours aimés en tant que frères. En tant que frères, nous sommes prêts aujourd'hui à se battre aux côtés des Nigériens. Parce que c'est ici que nous mangeons. Ouais, c'est ça. C'est ici que nous avons nos enfants. C'est ici que nous avons nos familles. Malgré la volonté des Nigériens de prendre leur propre destin en main, d'écrire eux-mêmes l'histoire de leur nation, le Niger ne semble pas ébranler la volonté d'un certain Emmanuel Macron qui semble vouloir coûte que coûte protéger d'autres chefs d'État africains de subir le même sort. Sur le cas du Niger, c'est exactement ce que nous sommes en train de faire. Alors, si vous me permettez, au-delà de cette doctrine d'ensemble, de revenir sur ce que nous avons vécu cet été. C'est un coup d'État contre un président démocratiquement élu, venant d'une ethnie minoritaire, qui a mené des réformes courageuses, économiques, politiques, sur les plans pour son pays, qui clarifie à peu près tous les domaines, qui est engagé sur tout l'agenda international qui est le nôtre et celui des Nations Unies, et qui est pris en otage dans le palais présidentiel par des putschistes depuis maintenant un mois. Alors, on a dit que la France était trop engagée en soutien au président Bazoum. J'entends les gazettes, je lis le commentaire parfois des autres capitales. Mais on ferait quoi si un coup d'État comme ça se passait en Bulgarie, en Roumanie? On irait dire, il ne faut pas trop s'engager. On va regarder, parce que les putschistes nous ont proposé un Premier ministre. On va s'engager, c'est ça la bonne politique. Il ne faut pas être jusqu'au boutiste, on n'est pas chez nous. C'est ça ce que veulent faire les autres capitales? Et on voudrait dire que la démocratie est une idée qui est bonne pour l'Afrique, qu'on ne fait pas de double standard. C'est inadmissible. On a un homme intègre, démocratiquement élu, courageux parce que pour la première fois dans un tel cadre, il ne démissionne pas au péril de sa vie et celle de sa famille. Et on nous explique que la bonne politique aujourd'hui, ce serait de le lâcher. Parce que c'est devenu à la mode. Parce qu'en fait, il faudrait produire local maintenant, même quand ce sont des putschistes. Et de Washington, en passant par d'autres capitales européennes, j'ai entendu des voix, j'ai écouté des journaux, j'ai lu des tribunes qui nous expliquaient « N'en faites pas trop, ça devient dangereux. Ça devient dangereux. » Non, on doit être clair, cohérent. Cohérent. Sinon, qui nous écoutera? Dans quelle capitale africaine on peut dire qu'on a une politique de partenariat avec un dirigeant? Si quand il subit cela, on ne peut pas être en soutien. Il semble vouloir pousser les nouvelles autorités à l'usage de la force au point de dire non, notre ambassadeur n'ira nulle part à un pays souverain. Donc je pense que notre politique est la bonne. Elle repose sur le courage du président Bazoum, sur l'engagement de nos diplomates, de notre ambassadeur sur le terrain qui reste, malgré les pressions, malgré tout et malgré toutes les déclarations d'autorité illégitimes, grâce à l'engagement de nos forces de sécurité intérieure et de nos militaires. Au Niger en ce moment même, et je salue votre collègue et vos collègues qui nous écoutent depuis leur poste, aussi, le président français se fait plus de soucis pour les Nigériens que les Nigériens eux-mêmes. C'est vraiment hilarant. Maintenant, il faut être clair. Nous ne sommes pas engagés. Il ne faut pas céder à un narratif utilisé par les putschistes qui consisterait à dire « notre ennemi est devenu la France ». Le problème des Nigériens aujourd'hui sont des putschistes qui les mettent en danger parce qu'ils abandonnent la lutte contre le terrorisme, parce qu'ils abandonnent une politique qui était bonne économiquement pour eux et qu'ils sont en train de perdre tous les financements internationaux qui étaient en train de leur permettre de sortir de la pauvreté. C'est ça la réalité. Et si on ne le dit pas nous avec courage, qui le dira? Donc nous devons poursuivre cette politique avec fermeté, sortir des mensonges et des facilités. Et donc notre politique est simple. On ne reconnaît pas les putschistes. On soutient un président qui n'a pas démissionné, aux côtés duquel nous restons engagés. Et nous soutenons l'action diplomatique, et quand elle le décidera, militaire, de la CEDEAO, dans une approche de partenariat, qui est celle que j'ai présentée en février dernier. Ni le paternalisme, ni la faiblesse, parce que sinon, on n'est plus nulle part. Et nous devons continuer avec force de le soutenir, et j'appelle tous les États de la région avoir une politique responsable, parce que, il faut être clair, si la CEDEAO abandonne le président Bazoum, je pense que tous les présidents de la région sont à peu près conscients du destin qui leur sera réservé. Et la faiblesse que d'aucuns ont d'ailleurs montrée à l'égard des putschs précédents, a nourri des vocations régionales.
Il y a une épidémie de putsch dans tout le Sahel. Mais qui repose sur quoi? Sur la faiblesse de système militaire, sur une insuffisante efficacité. À lire les récentes déclarations du président français, on peut y voir deux choses principales. La première est que Emmanuel Macron veut aller à l'affrontement avec la CEDEAO. De plus, c'est encore lui qui donne des leçons aux autres. Comment ils doivent vivre, comment ils doivent décider de l'avenir de leur nation. Alors mes chers amis, le poids de l'histoire y figure également. Si nos états sont si fragiles comme il le dit, c'est en grande partie à cause de nous. C'est vrai, mais il ne faudrait surtout pas négliger la responsabilité de la France qu'il malgré toutes ces coopérations n'a nullement pu nous permettre de nous affranchir. Enfin, dans la suite de cette vidéo, vous verrez également qu'Emmanuel Macron ne nous respecte pas du tout. D'après Emmanuel Macron, si son pays ne s'était pas engagé avec les opérations Serval puis Barkhane, il n'y aurait sans doute plus de Mali, plus de Burkina Faso. Il rajoute qu'il n'est même pas sûr qu'il y aura encore le Niger. Enfin, parler de stabilité, de sécurité et de lutte contre le terrorisme me conduit évidemment à évoquer l'Afrique. Nous n'avons pas en Afrique uniquement, avant tout, et je dirais même comme accent tonique, une approche sécuritaire. Je vais ici être très clair et j'y reviendrai dans un instant. Mais enfin, de fait, nous avons eu une implication sécuritaire parce qu'il y avait des risques terroristes, et qu'il y en a toujours, et parce qu'il y a eu une demande d'État souverain que nous venions les aider. Et c'est dans ce cadre qu'a été décidée d'abord l'opération Serval, puis l'opération Barkhane. Je le dis avec beaucoup de force parce que si on l'oublie aujourd'hui, et si on cède aux arguments inadmissibles de cette alliance baroque des prétendus panafricains avec les néo-impérialistes, on vit chez les fous. La France est intervenue dès 2013 parce que des États nous ont demandé d'intervenir parce qu'ils étaient en train d'être simplement coupés en deux. Si la France n'était pas intervenue, si nos militaires n'étaient pas tombés au champ d'honneur en Afrique, si Serval puis Barkhane n'avaient pas été décidés, nous ne parlerions pas aujourd'hui ni de Mali, ni de Burkina Faso, ni de Niger. Ces États n'existeraient plus aujourd'hui dans leurs limites territoriales. Je peux vous le dire avec certitude. Et donc quand j'entends parfois même des responsables politiques français nous expliquer que Barkhane serait une défaite, je le dis, ne prenez pas les arguments de l'ennemi. Parce qu'à ce moment-là, vous desservez tout le monde. Vous rendez un drôle d'hommage à nos militaires. Et donc il faut avec beaucoup de force défendre le bien fondé de ces opérations. Nous sommes allés aider des pays amis et partenaires à défendre leur sol et à lutter contre le terrorisme chez eux. C'est un reproche qu'il faut nous faire? C'est mal d'avoir fait ça? De grâce? Non. Et donc, oui, nous devons être exigeants, repenser des partenariats nouveaux et ne céder à aucune forme de paternalisme contemporain. Je vais y revenir dans un instant sur notre politique africaine. Enfin, il ne faut pas commencer à tout inverser et à considérer que maintenant, on ne pourrait plus aller aider un État qui veut défendre l'ordre chez lui sur une base légale. Et c'est le cadre dans lequel nous sommes intervenus dans la région. Demande souveraine, demande de la CEDEAO. Si je comprends bien, les pays que sont le Mali, le Burkina Faso, le Niger devront être redevables envers la France, car ils existent toujours. C'est vraiment pathétique de la part d'un pompier pyromane de tenir ce type de propos. Macron semble oublier de dire qui est à l'origine de toute cette instabilité que rencontre la région. La France est à la genèse de tout ceci. Elle a envoyé des soldats, d'après elle, pour aider ces États à lutter contre le terrorisme. Plus tard, les mêmes États disent qu'on n'en veut plus. Au contraire, les politiques françaises devraient se réjouir, étant donné qu'on les rend service. Mais Macron ne semble pas apprécier cela. Mes chers amis, l'heure a sonné. L'histoire est en marche. Nous assistons à de nombreux bouleversements. Macron lui-même le confirme. En effet, je considère que le contexte international se complique et fait courir le risque d'un affaiblissement de l'Occident et plus particulièrement de notre Europe. Il nous faut être lucides sans être excessivement pessimistes dans ce contexte. Et une contestation croissante du Conseil de sécurité des Nations Unies, mais également de beaucoup de nos organisations internationales. Nous ne pouvons pas ne pas l'entendre. Et du Fonds monétaire international à la Banque mondiale et au-delà, de plus en plus de pays, de manière de plus en plus désinhibée, considèrent que ces structures
sont de moins en moins légitimes à leur imposer telle ou telle règle, et que d'ailleurs elles ont été créées dans un monde où ces pays n'existaient pas, ce qui est vrai, et qu'elles représentent un ordre passé, mais qu'elles ne reflètent pas la réalité géopolitique, encore moins démographique, et peut-être parfois militaire, d'aujourd'hui. Ceci se traduit, sans qu'on doive en majorer la réalité, mais par des symptômes, comme par exemple ce que nous avons vu ces derniers jours avec tentative d'élargir ce sommet BRICS. Il faut rester lucide sur la réalité de ce qu'il emporte. Néanmoins, il témoigne d'une volonté de faire émerger un ordre alternatif, en tout cas quelque chose qui viendrait se substituer à ce qu'on appelait jusqu'alors un ordre international, vu comme trop occidental, ou en tout cas aux règles devenues moins légitimes. Voilà une note très importante que les membres de la CEDEAO devraient écouter. Les pays n'ont pas d'amis, mais que des intérêts. Nous devons avoir une diplomatie assez simple, c'est poursuivre nos intérêts, et partir de là. Notre sécurité, nos intérêts économiques, technologiques, diplomatiques, culturels. Enfin, mes chers amis, et vous, que pensez-vous de toute cette histoire? J'espère vous lire très prochainement. Jaso, Jaso, Adia, Adia,